Gaston. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une figurine que j'aime beaucoup, donc qui nous a été prêtée par notre ami toujours BDZF, Olivier, merci beaucoup, très gentil de ta part. Donc c'est une figurine de Gaston de chez Collectoy. Donc comme vous le savez, Gaston est une série de bandes dessinées franco-belge humoristique créée en février 1957 par Franquin. La série met en scène un employé de bureau nommé Gaston Lagaffe travaillant au journal de Spirou, un grand cas paresseux qui commet chaque semaine d'énormes et de nombreuses gaffes. Mais on verra plus en détail Gaston quand on vous fera la présentation des bandes dessinées. Alors donc pour la figurine, je vais vous la déballer. Hop là, en douceur, mais c'est pas à nous, on va éviter de tout abîmer. Désolée pour le bruit. Voilà, on se retrouve donc après le déballage de... qui était très très bien protégé par des scotchs de la figurine de Gaston, donc qui est absolument magnifique. Franchement, elle est super belle. Si vous habitez du côté de Quimper, n'hésitez pas à aller voir BDZF, Olivier, de notre part. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Donc la figurine de chez Collectoy. Donc Gaston portant une immense pile de livres figurines en résine créées dans les ateliers de Collectoy en Normandie, peintes à la main. Et c'est fait à partir d'un prototype moulé et sculpté de manière artisanale. Franchement, elle est super jolie et elle est super lourde aussi. Donc voilà. Donc la petite figurine de chez Collectoy. Alors, en développant cette collection de personnages en résine fabriquée de manière artisanale, Plestol a souhaité créer des figurines vraiment très soignées à des prix accessibles. Alors, celle-ci est vendue chez BDZF à 69 euros. Franchement, ce qui n'est pas très cher. Entièrement sculptée et peinte à la main, les sculptures Collectoy sont des véritables pièces de collection et la hauteur de la figurine est de 24 cm. Franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà que j'aime beaucoup Gaston à la base, mais alors là, la figurine est juste magnifique. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur Gaston vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et likez, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook et sur History BD sur Instagram. Et puis sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! Gaston.